Bonjour, je m'appelle Soraya, je suis de la classe de Black et aujourd'hui je vous présenterai le livre La tribu des Africains. Et l'auteur c'est Jacqueline Roche, l'illustrateur Bernard Desprez, la maison d'édition c'est Bernard Roche, Bayard Poche, Bayard Poche, la collection c'est Tom Tom et Nana. J'aime lire et je vous ferai un résumé de l'histoire et on s'amuse beaucoup avec ce livre parce que les enfants Tonton et Nana ils font très des aventures et une fois ils ont se déguisé d'Indiens et après pour la nuit ils ont monté dans le toit de la maison et une autre histoire c'est que Nana et un ami de l'école a fait mal le contrôle et Nana a mis deux tipex pour effacer le 0 et mis un 10. Bonjour, je m'appelle Louen et je suis de la classe de Blas. Aujourd'hui, je vais présenter le livre de le tour de la gomme d'Astérix. L'auteur de ce livre, c'est Gozzini. L'illustrateur, c'est Uderzo. La maison d'édition, c'est Dargo. La collection, c'est Une aventure d'Astérix les Gallois. Et je veux dire un résumé de cette histoire. Fleur de Lotus a décidé d'attaquer et de mettre au pas les petits villages gallois. Après une défaite, décide d'entourer les petits villages avec une palissade. Astérix lance un défi aux Romains. Il fera le tour de la Gaule et ramènera une spécialité culinaire de chaque région. Je m'appelle Paul et je suis de la classe de All Blacks. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Titov et le dernier des choses. De collection, il sait Titov. L'auteur, il sait Seb. La maison d'édition, il sait la main. Ce livre, il traite de Titov, un enfant de très curieux. Les parents de Titov, ils sont envoyés à voir la pièce de jeu, à cause des notes de Titov. Dans ce livre, il y a très grâce, comme qu'une fille, il est obsédé avec Titov. Il fait des drôles, il tient des cauchemars. Bonjour, je m'appelle Tatiana de la classe de Lax. Aujourd'hui, je vous présente le livre Le Petit Nicolas. L'auteur, c'est Sempé Gossini. Maison d'édition de Noël et collection Folio. Et c'est le résumé. Nicolas va à l'école et alors la maîtresse, il lui dit qui se porte mal, lèvera la fesse. Il lui fera mal durant longtemps. Mais quelques enfants disent qu'elle n'est pas qu'un pour donner des faces. Mais Nicolas commence à faire des bêtises, alors fait qu'il est malade, mais les personnes le découvrent. Alors, lui a de dire pardon à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Le titre de le livre, c'est « Enquête dans les égouts. » L'auteur, c'est Elisabetta. L'illustrateur, Larry Gates. Maison d'édition, Alvin Michel Jonas. Collection, Jérôme Stilton. Ce livre, c'est très amusant parce que, comme d'habitude, Jérôme Stilton ça laisse entraîner par une souris qui s'appelle Farfouin. Il y a une odeur insupportable et il est plein de poussins qui a envahi la ville qui s'appelle Sourisia. Comme la mauvaise odeur est venue inespérément,
Toutes les surprises sont surprises. Bonjour, je m'appelle Via, je suis de classe de Olga. Je vous présenterai le livre de la Noël semaine. Et deux jours avant Noël, les prévues de Prudence, Noël va éviter Gabriel pour jouer dans la chambre. Prudence va écouter depuis dans la chambre. Prudence va chercher le verre et elle va aller hors de la chambre. Un jour avant Noël, Noël va éviter une fois pour décoller l'arbre dehors et quand Gabriel et Noël vont finir de décorer le décorer, ils vont porter des biscuits et des lieux pour faire Noël. Mais la nuit, ils vont écouter un cri dehors de la mansion et quand Noël va sortir à bout le chat de son vecin la nuit de Noël. Ils vont inviter Gabriel et ses parents pour dîner tout seul. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis de la classe de Black. Aujourd'hui, je vous présenterai le livre titré La loi de Prague. L'auteur c'est la maison d'édition et Serena et la collection Titeuf. Ce comique nous explique diverses mauvaises expériences qui vit Titeuf avec ses amis dans un parc infantile. Tout ce qu'il fait termine mal. Après, Titeuf va à visiter son cousin qui l'a ingressé à l'hôpital. Bonjour, je suis Xavi de la classe de les All Blacks et je recommande le livre de Titeuf, Ça épate les filles. L'auteur c'est Zeb, l'illustrateur c'est les Zeb, la maison d'édition c'est Glénat et la collection c'est Glénat. Titeuf, il faut être gentil avec les filles parce que si on le tirait tout le temps les cheveux, on aura l'air malir, car il faudra tourner une heure pour sa mère. Je m'appelle et je suis de la classe de classe. Et je présente le livre Kawan et la tortue. Et auteur Morgan, illustrateur Christian Henry, et édition Hachette Genuse, collection Kawana de Bois. Kawana est une tortue qui peut compter les travaux que les a passés. La naissance des obstacles pour trouver la mer pendant son voyage, elle a trouvé autre tortue qui s'appelait Kadalou, mais elle s'est séparée de Kawana. Aussi, elle explique les aliments qu'elle consomme, mais pour trouver les aliments, il y a des obstacles. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis de la classe Léon Blanc et je veux présenter le Tintin au pays de l'or noir. L'auteur c'est Hergé. La maison d'édition c'est Del Prat. Résumé, les petits bonbons mettent du gasoil et le moteur explose. Tintin parle avec un scientifique et pour savoir l'explosion du moteur. Et il appelle le laboratoire et il dit que le laboratoire il a explosé. Tintin va les déposer pour. Et arrive deux hommes et Tintin fait un hachou. Et un des deux hommes le voit, mais Tintin s'échappe avant. Tintin monte sur un bateau et les deux pommes aussi. Mouille un des dépôts des sensés et donne un document secret au dépôt.
Quatrième, monté sur le bateau et trouvé de bon avec ses deux commandes. Et font prisonnier. Et Tintin, il voit avec des armes. Aussi, ils font des prisonniers. Toupon s'échappe et il va chercher Tintin. Et trouve Mouillère, on le déposite et il le met à la prison.